C'était, il faudrait savoir que depuis le 23 mars, moi, en ligne, sans, on peut dire, un sentiment pour le monde, sans consulter les instances, il décidait qu'il allait arrêter, payer les heures supplémentaires au niveau à Ville-Bémao. Alors, nous ne pas ça, hein, mais ça, sauf que, il a demandé de continuer les mêmes activités qu'on a fait en heures supplémentaires, mais pour récupération. Alors, comment on passe aussi, c'est vrai que les camarades restent vraiment son salaire, ça arrête. Mais là où accès via, et là où on a fait travail en collectivité de Mao, où ça a fait, on a dit, on s'attend à les fiches de poste, puisque faut savoir que là où on a fait travail, la police de Mao singulièrement, et bien, il faut savoir qu'on a fait les supplémentaires à faire, ou qu'on travaille les soirs, ou qu'on finit le matin, ou qu'on finit le matin, ou qu'on laisse les familles, ou qu'on peut protéger pour les monde. Et là, on ne peut pas entrer en dispositif là, sous le candidat, il faut produire un certificat médical pour dire qu'on ne peut pas faire. Donc, comment on peut bien comprendre que les mains, lui-même, toute application à notre là, ça, les 3 avril, les camarades, les végaoulés, les levé le bout. Et ils disent qu'ils n'ont pas d'accord. Parce que ça nous a dit, à aucun moment, on ne peut pas mettre en balance. Sécurité à les amis, sécurité à la ville de Bémao, sécurité à tout ça qui nous dit non, puisque nous savons que Bémao c'est poumon économique à la Guadeloupe. Donc, les salariés qui assurent la sécurité, singulièrement la police, eh bien, ils ont des missions qu'ils vont mener. Et même pendant les vacances, les gens qui partent en d'autres pays, d'autres côtés, eh bien, les camarades qui veillent à les gens qui sont en vacances parce que ça te rentre dans la mission à eux. Eh bien, je dis là, mais moi, je vais continuer à faire toutes ces activités-là, ça, au mépris à tout ça qui revient la logique pour récupération. Donc, nous faisons un premier contre et puis, donc il dit, pour un genre amorti la chute, pour payer des sommes, un atterrissage en douceur, il dit qu'il a payé pendant des mois et puis il a arrêté jusqu'à ce qu'il mette notre dispositif en place. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter ça parce que là où accès, on a bien dit, là où accès, où toute vie a aussi un contenu, un salaire, et que pendant 30 ans, parce que ancien mais là, nous contrôlons aussi, et il dit nous, ça a existé effectivement, j'ai une trentaine d'années à Bémao. Et lui-même a dit qu'il a amélioré la situation là, ça veut dire qu'il a organisé service police de Mao alentour à ça. Parce que à Bémao, en passant pour Sinimoun Bémao là, il y a un moment à Bémao, eh bien, l'été en l'air, faut être en train de faire parce que ça fait, il y a pas de ça, ça fait craignos. Donc, au bout d'une certaine année, l'on rétablit une situation de sécurité, il n'est pas question que même l'on ouvre, ou quoi faire, ou quoi dire, ou quoi faire, ou quoi dire, on ne peut pas accepter ça. Donc, les camarades, les végaoulés, après un premier rencontre vraiment lui-même, on a dit qu'il proposait des mois, nous faisons une deuxième rencontre et nous avons commencé à négocier. Au bout d'une troisième rencontre, où nous avons fait une proposition, nous avons dit que nous allons laisser ça en place et nous avons peut-être diminué si les heures supplémentaires pour nous garder si nous avons entré dans notre dispositif là, vous voyez, qui est amélioré les choses. Eh bien, dis-nous non. Et dernière rencontre que nous faisons à la DIEC, eh bien, il ne finit pas dire nous que nous ne pouvons pas comprendre ça, il a dit nous. Que nous c'est des pas comprendre, nous c'est des ignorants, enfin quasiment en même espèce de parallèle qu'elle a fait avec nous pour te dire nous que nous c'est des montables rom, c'est un genre même bite là. Mais nous pas bien comprendre ça parce que mon polyphone c'est en fait dit bois mais au niveau à la localité de Mao à en fait dit l'état colonial français hein, puisque ça pas ni d'autres noms. Donc il parti, nous pas rester là, hein, parce que nous dit nous pas attendre, peut-être qu'ils font un coup de femme qui revient à la table de négociation. Alors ça nous envisager, comme il ne veut pas parler de nous, nous dit nous allons chercher un médiateur, donc nous allons essayer de rencontrer des gens qui sont en situation de faire changer de position. Et au moment où nous pas parler, nous sommes arrivés à fond notre entretien avec M. Thierry Abedé qui met Bouillotte et président à Grand Sud Caraïbes. Et il était porté volontaire puis il accompagné nous. Si mouvement là ça. Sauf que les nous écrits en libère, nous dit nous pas mal de négociations et nous pas souhaiter que M. Abelou accompagne nous au niveau de la médiation. Et bien dit M. Abelou pas qualifié tout simplement que
il pas ni il pas estimé que il pas qualifié. Donc il fait nous deux propositions. Aller y chercher un sous-préfet blanc. Donc on va pas bien comprendre que sans dégradité aller là pas vérifier. Hein. Donc encore une fois nous allons chercher papa blanc là pour nous régler problème en nous. Tout à nous. Et fait nous deuxième proposition qui c'est Georges Calix. Donc on va dire entre diarrhée, malvente, tout ça. Donc nous dit bon, nous pas choisi Georges Calix puisque bon, nous quand même voulons commencer à négocier. Et c'est en ce sens-là, ça nous dit nous accepter Georges Calix, qui fait nous écrire le centre de gestion qui a géré l'ensemble des collectivités de Guadeloupe. Nous dit banco pour Georges Calix. Et depuis bon matin, nous recevons un courrier qui a dit nous qu'à partir de mardi prochain, nous allons commencer à travailler avec Mediatel pour nous expliquer les problématiques à Grève-Sylvain. Mais encore, on voulait faire comprendre, camarade, que man polyphone pour GMT a donc posture bien négocié. Et à chaque fois, nous faisons concession. Ça nous dit, là c'est le dernier temps que c'est venu quoi faire, hein. Entendez comment dit nous en vacances, mais nous savons que à l'entour à Bimao, ça nous a dit nous avons vu un message bail. Ni deux étapes quand entre Bimao, on dit, panga. Ok? Ni deux étapes, il y a une partie Bimao et il y a une dernière et le tout à final à Bimao. Et comment j'ai dit ça, il y a quelqu'un qui accepte mépris pour les fonds de Feyo, parce que en fin 2022, il y a félicité, c'était le meilleur police de Guadeloupe et puis trois mois après, il y a craché sur lui. Et quand même, il n'y a pas même bizin. Quand on est dans la négociation, madame, ça arrive à dire la police que mais ça va faire un mois de mise en grève. Donc, c'est via rien. C'est ça, on met dit police à elle. À part ça, on va bien comprendre. La piste, on met hors de famille. Donc, camarade, c'est là nous, je dis là. Mais en même temps, nous pas dit, bon, nous allons commencer le travail avec Mediatel. Nous savons aussi que nous avons un deuxième conflit au niveau de la ville La Pointe, avec Harry Dirigeur. Et là, nous avons été syndical avec les camarades, donc les négociations ont commencé. Hein, parce que là, nous avons dit, plus intelligent, plus réfléchi. Et Aridi Rivel a commencé à négocier depuis lundi et les camarades. Et nous allons continuer, là, déjà ce quatrième point là. Je ne sais pas si nous avons avancé depuis hier. Donc c'est là, nous, les camarades. Mais ça nous a dit très, très clairement à Mambo Lifant. Et nous pouvons espérer que ça peut continuer à avancer d'un pas d'un au niveau à la pointe. Mais nous n'avons pas dit mon polyphone. Si vous ne voyez pas attendre un moment donné, mais nous pouvons passer à notre phase. Donc merci beaucoup à votre camarade.